mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une bombe dans ma salle de bain en ce moment. Et en fait c'est un cadeau de la marque Estée Lauder, donc j'en suis ravie, je les remercie énormément de m'avoir permis de la tester. Alors je sais, je vous présente autant des choses ELF qui coûtent vraiment pas cher, mais des fois moi aussi j'ai envie de tester des choses qui sont un petit peu plus onéreuses et en fait vous donnez mon avis si ça vaut le coup ou pas. Alors pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Alors c'est vrai que Estée Lauder c'est une marque qui coûte un petit peu cher, mais avec les 25% de Sephora plus la cagnotte iGraal, pardon, ça vaut vraiment le coup. Je vous mets mon lien de parrainage iGraal si toutefois ça vous intéresse de vous inscrire, puisque vous avez 5€ direct sur votre cagnotte dès que vous entrez en fait mon code parrain. Et en fait moi j'ai réussi, ça fait 5 mois que j'achète régulièrement sur les sites partenaires et je me suis offert les deux coffrets Christmas de chez Too Faced pour Noël grâce à cette cagnotte, parce que je vous avoue que j'ai pas un copec pour mes cadeaux de Noël. Donc là, je remercie en fait mes achats à iGraal tout court, parce que je me suis fait deux beaux cadeaux de Noël, alors que voilà, j'aurais pas pu sinon. Donc là, effectivement, vous, pareil, si vous dépensez toute l'année, à la fin de l'année, vous avez plus un radis, en gros, vous avez 80€ qui tombent gratuitement, vous pouvez vous faire plaisir. Donc moi, je suis trop contente, je me suis fait mes deux coffrets de Noël, et j'en ai les larmes aux yeux, parce que franchement, en ce moment, c'est compliqué dans ma vie. Et de me dire que je me suis fait deux beaux cadeaux de Noël grâce à iGraal et grâce à mes achats YouTube en général, parce que tout ce que j'achète c'est pour vous le présenter, pour vous, parce que sinon les palettes j'en ai énormément et tout et tout, donc tout ce que j'achète voilà c'est un peu aussi pour vous, pour ma chaîne YouTube, donc je suis contente de m'être fait finalement deux beaux cadeaux pour rien, pour 0€, donc ouais je suis trop contente. Donc on revient au sujet de la vidéo avec cette petite bombasse. Donc de la marque Estée Lauder, c'est le baume. Donc ça se présente sous la forme vraiment d'une crème pour le corps. Donc j'ai mis un peu mes doigts dedans parce que je l'ai testé quand même. Au niveau de l'odeur, c'est un mélange de camomille et de lavande. Mais vraiment, même si il a été ouvert, je veux dire, il n'a pas eu le temps de s'éventer autant que ça. Mais c'est pas une présence olfactive très très forte. On va dire que ça reste quand même léger à modéré, donc il n'y a pas de souci pour les personnes qui sont vraiment qui n'aiment vraiment pas les odeurs fortes de camomille ou de lavande. Enfin, moi c'est plus la lavande dans ce cas là qui m'aurait dérangé, parce que la lavande quand ça sent très fort ça peut vite devenir entêtant voire gênant à cause de mes maux de tête et de mes migraines, mais là pas du tout. Et il est tellement efficace et tellement agréable. Donc c'est un baume en fait que vous venez poser dans vos mains, vous le réchauffez, vous le passez sur votre visage, vous démaquillez les yeux. Il ne pique pas du tout les yeux parce que moi j'ai l'habitude d'y aller franco, hein. Donc il ne pique pas du tout les yeux, donc j'ai apprécié énormément. Au niveau de la compo, il y a juste du phénoxyéthanol, donc c'est un perturbateur endocrinien, mais voilà quoi, je veux dire, après il y en a dans tout ou quasi. Donc après, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est pas forcément... Il n'y a pas d'autres substances comme le méthylzéthylénone ou le silicone. Donc ça va franchement, s'il n'y a que ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'il nettoie particulièrement bien, il est doux. L'odeur, elle reste sur la peau ensuite parce que c'est un film délicat. Alors, c'est un baume que vous frictionnez, que vous démaquillez en gros, vous émulsionnez avec un petit peu d'eau, donc le baume se transforme en huile quand même, je vais y aller par étapes hein, parce que sinon ça va être problématique. Donc le baume se transforme en huile, l'huile démaquille très très bien, vous émulsionnez avec un tout petit peu d'eau, ça se transforme en lait, c'est hyper agréable, ça se rince super bien, enfin moi j'ai adoré et je l'aime plus encore que l'huile extraordinaire de L'Oréal que j'ai utilisée, ça fait 3 semaines que je l'ai, il y a déjà ça de moins, ça c'est beaucoup plus économique que l'huile extraordinaire, parce qu'à chaque fois c'est 2 pompes que j'utilise, là non, c'est vraiment une toute petite noisette, il y en a 70 ml, donc il y en a vraiment pour un moment. Je sais pas quoi vous dire d'autre, franchement, avec les moins 25%, je rachèterai sans problème. Autant que le Bumble and Bumble, le masque à avant-shampoing dont je vous parle tout le temps. C'est vraiment un top pour moi. Je pense qu'il finira dans mes favoris. Je vais certainement vous faire un favori de l'année d'ici peu de temps si je peux, parce que j'ai tellement de vidéos en retard et tellement pas la possibilité de les monter filmées que voilà, je suis un peu déprimée.
Mais ouais, vraiment une très belle découverte. Et en fait, j'ai l'impression d'une peau propre et assouplie. C'est-à-dire que limite, si je mettais pas de crème de nuit, ce serait pareil, puisque j'ai l'impression que ma peau a l'air bondie, elle est bien nourrie en fait, une fois que je rince. Donc ça, c'est un avantage, parce que moi, j'aime pas me tartiner, vous le savez. J'ai commencé à me tartiner très tard. C'est-à-dire que j'ai 30 ans, enfin, je vais sur 32. La meuf qui se rajeunit. Oh, il faut, hein, des fois, hein, c'est bon, pas obligé de le dire quand même. Hein. On ne demande pas l'âge d'une femme d'habitude d'abord, hein, ça se fait pas. Non, mais sans déconner, j'ai commencé à me tartiner à l'âge de 30 ans, en gros, il y a 2 ans quand j'ai commencé YouTube, à 29 ans et demi. Et c'est un truc, ça me saoule. Mais bon, je sais que je vois les effets. Depuis 2 ans que je suis sur YouTube, j'ai vu les effets de tous mes soins sur la peau. Et ça, franchement, c'est top parce que t'as l'impression que t'as mis une crème et tout, que tu peux juste aller pioter quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils disent quand même que c'est un baume léger qui se transforme en huile nettoyante soyeuse. Il agit n'importe quoi. Il agit pas. C'est n'importe quoi ce que je dis. Il est donc purifiant, revitalisant, et ça c'est vrai, je me sens propre, et en même temps, voilà, j'ai la peau rebondie, et je vois que voilà, j'ai un éclat. Alors c'est dommage que je l'utilise que le soir, parce que je l'utiliserai le matin, j'ai envie de te dire, t'as un éclat particulier à la peau. Moi qui ai une peau à tendance à rougir et tout, dès que je la touche, bah, vous le savez, hein, vous me suivez maintenant. Donc ça a coupé, mais c'est pas grave, je sais plus du tout ce que je vous disais. Mais vraiment, si vous avez un petit peu le budget, que vous voulez, parce que moi finalement j'ai pas vraiment beaucoup de budget vu que j'achète beaucoup, donc du coup je suis obligée de baisser les prix et de trouver par exemple des huiles extraordinaires. C'est sûr, elles coûtent 3 euros sur Beauté Privée. J'ai aussi mon lien parrain si vous voulez sur Beauté Privée pour trouver tout de suite les ventes. Mais du coup, oui, si vous avez un petit peu les moyens, ça dure vraiment longtemps. Je vais en avoir pour une éternité, mais alors je suis vraiment vraiment ravie. Mais regardez-moi, elle est, enfin je veux dire, il y a ce qu'il faut quoi. Tu vois, la taille de, ça fait la taille de. Non mais voilà quoi. Donc oui, effectivement, c'est un investissement si vous avez un peu les budgets, si vous voulez quelque chose qui soit aussi, qui fasse aussi un petit peu baume du soir, foncez. Parce que l'huile extraordinaire fait pas cette de L'Oréal fait pas cet effet sur la peau, pas du tout. Ça, je sais pas, il y a un soin en plus, on va dire, parce que je ressens vraiment cet aspect un petit peu. Je sais pas si c'est revitalisant le terme exact, parce que revitalisant pour moi ça veut pas dire grand chose, mais ouais, c'est rebondi, c'est souple, c'est doux, ça laisse pas l'aspect rugueux qu'on peut avoir après le rinçage de la formule lactée. Donc oui, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Je pense que voilà, bon, Estée Lauder, ça reste cher, mais avec moins 25% plus la cagnotte High Graal, ça vaut vraiment le coup. Je vous invite à foncer quand vous avez, par exemple, moins 25% sur votre produit préféré. Honnêtement, ça et le Bumble and Bumble, c'est 2 choses que je rachèterais avant Noël, parce que avant Noël, il y a toujours moins 25%. Enfin, moi, je guette. Enfin, ça dépend si j'ai des sous aussi, parce que franchement, bon, là, je pense que je vais en avoir pour un moment. Mais si je devais foncer, ouais, je foncerais. Je le rachèterais, j'en suis certaine, à moins. Au bout de. Parce qu'il y a des produits en fait, quand j'utilise à 3/4, après il me saoule et j'ai. Et après voilà, il me saoule. Donc ça me saoule de les utiliser. Donc je vous retiendrai au courant de toute façon comment dire, de ce que j'en pense. Mais pour l'instant, c'est un vrai, vrai, vrai coup de cœur. Je suis trop contente parce qu'en ce moment, je découvre plein de coups de cœur et il faut vraiment que je vous en parle. Et enfin, je vous en parle souvent, mais tout regroupé en fait. Parce que vraiment, j'ai Bumble and Bumble, ça, la box que j'adore, enfin voilà, des choses. D'ailleurs, je vais vous la présenter juste après. Enfin, il faut que je la filme juste après. Bref, j'ai trop de travail. Pas de soucis là-dessus. Je vais vous présenter plein de choses dans les prochaines vidéo, donc il faut rester, faut vous abonner pour être au courant de tout ce qui sort et tout. Mais du coup, Advanced Night Micro Cleansing Balm, donc baume nettoyant, c'est le nom exact de ce truc-là. En plus, le packaging, il est trop canon. Messieurs, si vous avez quelque chose à offrir à votre femme qui se maquille, un démaquillant comme ça, oh, c'est trop beau. Même le packaging, il est. Et, enfin, Estée Lauder, voilà, c'est plus une marque à. Ah, c'est pas Estée Lauder, c'est voilà, c'est luxe quoi. J'en ai donc terminé avec cette revue. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à faire votre choix. Moi, j'aurais aimé que, à l'époque,
certaines youtubeuses parlent plus de certains produits, ça m'aurait évité d'acheter de la merde et ça m'aurait permis d'acheter les bons produits. Donc ça, franchement, j'essaye de faire de mon mieux sur ma chaîne. N'hésitez pas à me commenter, me dire ce que vous en pensez. Parce que autant, voilà, j'essaye vraiment de vous faire plaisir, de vous présenter des produits voilà, qui pourraient correspondre à vos besoins. Je sais qu'on a toutes hein, le même problème, c'est qu'on finit le 14 du mois, malgré la paye qui vient de tomber, en déficit. Voilà, on est déjà à moins 200. Non, franchement, même moi, 14 du mois, je m'en sors plus. N'hésitez pas non plus à me donner vos idées de vidéos parce qu'on va être à Noël et puis vous savez qu'à Noël, enfin moi tout ce qui est fête, voilà quoi, je fais pas des vidéos spéciales Noël machin et tout, à part peut-être pour la bonne année où je vous souhaite un petit peu la bonne année, c'est normal, c'est, ben, vous êtes ma famille un petit peu, vous êtes mes chouchous quoi, enfin je vous aime de trop, donc voilà c'est normal que je vous fasse un petit message, mais sinon après les DIY de Noël, genre calendrier de l'Avent et tout, non c'est pas mon délire, enfin je sais pas faire, j'ai trois mains gauches donc voilà, donc je vais pas vous saouler plus longtemps avec cette revue, ces produits, ces trucs de ouf, et puis je vais vous laisser, je vais vous dire que la vie est belle en rose malgré toutes les épreuves qui nous arrivent. J'essaye de garder le sourire, vous me donnez le sourire, vous me réconfortez, j'ai besoin de vous, ne me quittez pas, surtout j'ai trop besoin de vous, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous aime d'amour, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao !